Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge. Donc, le challenge que vous me demandez le plus, c'est le Random Color Challenge. Je vous promets, c'est le prochain. Voilà, comme ça, vous savez, le prochain, c'est celui que je vous fais parce que vous n'arrêtez pas de me le demander. Mais entre-temps... En alliant un petit peu celui-là et le fait, avec mon programme de tirage au sort pour mes palettes pour les vidéos du lundi, je me suis dit qu'on allait vraiment remettre l'ordre du make-up dans les mains de mon application de tirage au sort. Pourquoi j'ai ces idées-là? Je ne sais pas. Donc je vais essayer de m'arranger comme je peux avec l'ordre qui sortira. Vous voyez sur le côté que j'ai mis vraiment toutes les étapes, hein, c'est-à-dire même les étapes des yeux, le creux de paupières, le ras de cils et tout ça, voilà. Et donc voilà, et ben écoutez, on va commencer tout de suite. Je ne vous montre pas la vidéo du tirage au sort parce que ça va me faire trop de petites truches de merde qui vont m'enquiquiner pour le montage, mais je vais vous montrer directement le téléphone à l'écran, bien qu'il soit totalement... Je vais nettoyer un peu, de rien, comme ça. Oh, tiens, vous avez rien vu. Donc, j'ai préparé quelques produits que je vais peut-être avoir besoin. Et ben, on attaque tout de suite. Donc, je vais sur mon programme Aki le Tour. Quels produits j'utilise maintenant. Et donc, on y va. Donc, je vais faire suivant. Vous voyez pas. Il veut pas se mettre. Hop, allez, il est où le bouton? Bordel. Bon, il suffit de secouer le téléphone. Voilà, on va faire comme ça sera mieux. Et donc, la première étape pour mon make-up, ça sera donc l'highlighter. Quel bonheur. Donc, j'ai pas d'highlighter liquide en plus, puisque j'aime pas ça. La dernière fois, j'avais utilisé le Moonstone pour essayer que ça se voit quand même un peu... Ce qui n'était pas hyper concluant, je dois vous l'avouer. Bon, écoutez, je vais prendre l'alchimiste palette et je vais la mettre au doigt. Comme ça, ça sera bien, bien, bien intense. Je vais prendre la teinte, opale, qui est dans les tons un peu rose, rose quoi, totalement. Parce que comme je ne sais pas du coup vraiment quelle couleur de make-up je vais faire, que j'aurais pu y réfléchir avant, mais bon, on va voir, on va y aller au feeling, hein. Donc je vais y aller au doigt pour vraiment mettre la bonne dose, parce que de toute façon il se verra plus du tout après, hein. Là on est d'accord, hein. On va mettre la dose sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon aussi. Voilà, bon, l'highlighter c'est fait, c'est très beau l'highlighter sur une peau tout caca. Allez, suivant. Le fixateur. Oh, mais quelle bonne idée. On aime bien fixer le teint. Hein. Donc, je prends le High Beauty. C'est celui qui est dans ma rotation. Je vous remets la rotation juste ici, si jamais vous ne l'avez pas vu. Bon, l'avantage, c'est que ça servira un petit peu de base. Ok, pour le fixateur, on est bon. Alors, on va attendre que ça sèche un peu. On va déjà regarder la prochaine étape. Les sourcils. Donc, j'ai mis sourcils et savon pour les sourcils. Comme ça, je sais. Donc là, je vais devoir faire le coloriage de mes sourcils avant de les fixer. Je suis pas convaincue du rendu. Hein. Bon, bah écoutez... On va passer au petit brossage de sourcils, hein, pour commencer. Et j'ai donc les crayonnés. Donc là, je prends le crayon Fuera. Et c'est parti. J'ai jamais testé le rendu du savon par-dessus le crayon. Donc, écoutez, ça fera une expérience de fête. Après, je mets jamais mon savon. Je mets toujours mon savon en tout premier pour pas que ça fasse des patchs dégueulasses dans mon fond de teint. Donc là, je pense que je les fixerai pas vraiment
En l'air, hein. Je sais pas, on va voir. On va voir à quelle étape je tombe sur le savon. J'ai encore une bonne idée, je crois. Le make-up, il va ressembler à rien. Pour peu que je doive faire montrer le liner avant de mettre mes fards à paupières. On n'est pas dans la merdasse. Bon, voilà, je vais pas trop les brosser. Puisqu'après je devrais remettre le savon, ça les brossera en même temps. Étape suivante. Le creux de paupières. Mais bien sûr, j'ai pas de base, j'ai pas de fond de teint, j'ai rien. Quelle bonne idée. J'ai eu une super idée. Alors, je vais prendre un pinceau d'huile. Faut que je lave mes pinceaux. Ah non, ils sont lavés. Faut que je range mes pinceaux lavés. Donc je prends celui-ci. J'ai décidé de prendre la Sojade, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Alors, on va peut-être partir dans des teintes quand même assez soft, hein, je pense, pour pas trop accentuer le carnage. Mais je vais commencer avec celle-ci. La... Oh, je ne sais pas lire. Carmélian. Voilà. C'est ça. Donc, on commence par cette magnifique teinte rouille. Ça va très bien ressortir sur mes paupières... taché. Quoi que ça va. Donc je fais juste le creux puisque j'ai noté ras de cils, donc et quoi externe. Bah bon, je vais quand même revenir un peu ici pour que ça fasse pas trop bizarre. Oh, quelle bonne idée de mettre du fard à paupières sans rien en dessous. Bon, après, comme ça, vous voyez bien la pigmentation de la chose. Hein. Donc, je commence à estomper quand même un petit chouïa ce fard-là. Je reviens pas de la pigmentation, malgré que j'ai pas de base, j'ai rien en dessous, j'ai pas de fond de teint. Et moi, j'ai déjà le tour des yeux coloré. Donc, vous voyez que c'est une très bonne qualité. Hein. Je suis ébloui à chaque fois que j'utilise un produit coloré. Je crois que vous avez compris, mais donc ça fait partie vraiment de mes marques... préféré. Et on est toujours dans le petit prix, donc écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est parfait. Faut que je surveille le temps d'enregistrement. Voilà, on a fini avec le creux de paupière. Toute une logique. Suivant. Le bronzer à cette heure. Bon, écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas? Donc j'ai choisi de prendre le Kiko, que j'aime beaucoup. Voilà, il y a une teinte illuminatrice ici que, à mon avis, je n'utiliserai absolument jamais, mais le bronzer, j'adore. Donc c'est parti pour le bronzer. On est dans un ordre très habituel, n'est-ce pas? Et puis avec mes taches pigmentaires, magnifique. Moi je dis on est bien, on est pas mal, hein, on est pas mal. Pour un beau carnage, hein, je parle. Ah oui, par contre, je vais le marquer un peu plus parce que j'ai même pas de fond de teint encore. Bon. Donc je vais insister un peu plus sur les parties stratégiques, hein, parce que on le verra plus après avec le fond de teint. Ce qui est bien, c'est que ça va pas faire des taches du tout. On est pas mal, hein, vraiment pas mal. Ok. Étape suivante. Le coin interne, Esther. Bah, écoutez, pourquoi pas. Je vais peut-être me rapprocher un peu plus, non, pour que vous voyez bien le carnage. Voilà, c'est pas mal, là, hein, histoire que vous voyez bien le carnage. Non, c'est pas beau. Donc je prends un petit pinceau crayon et je vais prendre le Pearl, hein. C'est une teinte assez soft pour mettre en coin interne. Voilà. Ok, là ça va, c'était une étape rapide, donc on switch. Les paillettes. Oh, mais quelle bonne idée. Ça, c'est une super bonne idée, les paillettes à cette heure-ci. Bon, je vais prendre les bimes de chez Focalure qui sont les Platinum.
de BIM de chez Focalure. Mon pinceau part totalement en cacahuète. Et je vais en mettre un petit peu dans le creux. Bien que j'ai toujours pas fait ma paupière mobile. Ah, on est dans une logique de make-up là. Truc de fou. Voilà. Ensuite, il y a un bordel déjà sur mon bureau. Après la pailletasse. Je vais le focus sur moi. Je crois que vous voyez pas bien. La poudre. Mais quelle bonne idée. Alors, je vais prendre la Révolution Pro qui est translucide, hein, parce qu'on ne va peut-être pas aggraver le cas. Et je vais poudrer mon teint, qui a totalement besoin d'être poudré à cette heure-ci. Hein. On n'a aucun produit liquide. C'est merveilleux. Donc, je peux en mettre deux trop. Hein. Et vos pinceaux, d'ailleurs. Voilà. Magnifique. La poudre, c'est fait. Nous avons bien fixé notre teint. Mais je te secoue, pourquoi tu changes pas? La base. Donc c'est pas la base à paupières, hein, c'est la base classique. Donc là, j'avais anticipé, j'ai sorti la Water Primer de chez Primark, puisque c'est une en spray, donc ça va un peu flouter les matières, bien qu'il n'y ait pas énormément de matière. J'aime beaucoup son odeur. Alors, ensuite, le temps que ça sèche, on switch. Le rouge à lèvres, mais bien sûr. Bacha. Donc j'ai mis crayon à lèvres, rouge à lèvres et gloss. Donc je vais prendre toute la gamme Pilotool de Gigerlotte Tilbury, en tant qu'à faire. C'est les seuls qui s'accordent réellement. Donc on met le rouge à lèvres. Mm-hmm. Enfouite. Le fond de teint. Merveilleux. Donc là, je vais prendre le fond de teint poudre. Au moins, on aura un teint un peu plus correct. Je vais l'appliquer d'abord à la huppette. Je la reprends parce qu'elle est cracra de ce côté-là. Donc, celle qui court le Unspecté de Paradise. Comme ça, j'aurai un peu plus de couvrance. Hein, parce que... Bon, après, on dit adieu au bronzer et à l'highlighter, à mon avis. Et les paillettes sans anti-cerne... C'est limite, hein. Je vais mettre un peu de fond de teint dessus. C'est du poudre, mais bon. Oh, qu'est-ce que j'aime l'odeur de ce bazar. Voilà, je donne un coup de pinceau poudre pour bien disperser et j'en reprends un peu au pinceau. Pour éventuellement s'il y aurait des taches, ce qui est fort probable. Voilà, donc à part l'anti-cerne qui manque, pour l'instant le teint ça va encore. Bon, le bronzer, ah, ça va encore. L'highlighter aussi. Ouh, je suis crotote de moi. Enfouite. Le masque. Donc, je vais éviter de recouvrer mes cils, hein, parce que... Comment? Après, je vais mettre le liner. Donc, je vais mettre le... I need a miracle. Je vais mettre qu'une couche, parce que je crois que j'ai mis fossile aussi. Je sais plus si j'ai mis fossile ou pas. Ah, je sais plus. On verra bien. Mais je vais mettre qu'une couche, hein, quand même, parce que, bon, comme j'ai pas fini le make-up des yeux... voilà, quoi. Alors pour les cils du bas, je garde le même mascara, mais je change juste la brosse en prenant celui de chez Catrice, donc, que je trempe dans l'autre mascara. On va pas en mettre deux trous non plus, pareil, j'ai pas fait le ratin encore. On a mis les deux touches finales au make-up, alors qu'on n'a pas fini le make-up. C'est magnifique. Ensuite,
Le savon pour les chauffages. Quelle bonne idée j'ai eu de le mettre là. Donc je prends mon petit savon Pierce, un peu humidifié. Donc je vais en prendre du assez liquide et pas trop. Parce que là on a déjà mis le fond de teint en plus, on a déjà mis le crayon. Alors, je vais les fixer très légèrement. Hein, on va pas mettre de trop. Sinon le fond de teint va bouger. Alors ici pour mettre mes épis en place, ça va juste pas être possible. Bon, je crois que c'est pas la vidéo où je dois m'acharner le plus sur mes sourcils. Hein. On va les laisser comme ça, c'est quand même pas trop mal. Donc, je les plaque. Ben, je suis étonnée, le rendu c'est pas trop mal. Bon, ils sont moins. Voilà, moins fourni que d'habitude ou quoi, mais bon, je sais que ça va tenir. Hein. Après, je vais pas rester maquillée très longtemps, je pense. Hein. Ok pour ça. Bon, l'étape que je redoutais le plus est passée. Ensuite, l'arcade sourcilière. Bon, ça va. Ça va. Alors, je prends un pinceau pour l'arcade sourcilière. Et je vais prendre la teinte du coup My Precious, qui est le beige de la palette. Et je vais poudrer mon arcade sourcilière. C'est bien, on l'a fait juste après le savon, donc c'est nickel. Enfin, surtout après le crayon en fait. Voilà, ça c'est fait. Étape assez facile que je pouvais faire n'importe quand. Je vous le conseille. Ensuite, le liner. Oh, c'est merveilleux. J'ai pas fini mes yeux. J'ai pas fini mes yeux. Donc, je prends le Liquid Ink, hein, comme d'hab. Et je vous rejoins juste après. Voilà. Alors, ce qui est génial, c'est qu'en mettant le liner avant les fards à paupières, je vais pas du tout avoir des problèmes après pour mettre les fards à paupières. On est d'accord. Étape suivante. Le centre de la paupière se rapproche. Très, 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 très logique. Alors, je vais prendre la teinte... Bon, je sais pas, fleurite. Allez hop, je la prends au doigt et j'en mets au centre de ma paupière. Toujours on met la touche de lumière avant. Oh, ça y est, j'en ai plein le liner. Crotte. Puis bien sûr le liner. Pas de malin sur le liner. Étape suivante, vite. Le coin externe. Bon, déjà, ça sera un peu mieux. Alors. Je reprends mon petit pinceau boule là. Et je vais prendre la teinte marron foncé Stone. Ici. Pour foncer mon coin externe. Donc là, je blende un petit peu. Parce que ça ne change pas grand chose. Donc je reprends quand même mon premier pinceau pour flouter ici. Voilà. Suivant. Le crayon brésilien. Bon, c'est pas la pierre, donc je vais mettre du noir, hein. Je vais pas chercher à comprendre. Mais que supérieur et inférieur. Suivant. La transition. D'accord, ça va vu qu'on a déjà poudré l'arcade. Donc je reprends un autre pinceau et je vais prendre la teinte Eurogem ici. Et donc, j'estompe
ici entre le beige et la première teinte qu'on a mis. Donc là ça va, étape presque logique, enfin moins dérangeante on va dire, puisque on a déjà fait le creux, on a déjà fait l'arcade, donc c'est pas très grave. Ça manque même d'estompage, le marron là. Écoutez, hein, on croit que en fait. Le crayon à lèvres, par-dessus le rouge à lèvres, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Allez. Bon, vu que c'est les mêmes teintes, ça va. Le blush. Ah bah il était temps. Bon, vite te dire. Donc là, j'ai pris celui-là de chez Catrice, qui est le Glistering Pink. Donc là, c'est aussi une étape pas trop compliquée, puisque le reste du teint est fait. Il nous reste quoi? La paupière interne, le ras de cils, le gloss. Et je crois que c'est bon après. Je crois qu'on a déjà presque fini. Bon, le teint, ça va pas du tout, mes chéris. Hein. Bif, bif, bif. Ok pour le blush. Ensuite. Gloss. Ça va, on a déjà fait le reste. Donc, toujours le pilote look. Ce gloss est magnifique. Ok. Ça, c'est pas mal. C'était facile. C'était facile. Le rat et sel. Ok. Ok, ok, ok. Alors, il me faut un petit pinceau crayon. Et du coup, je vais mettre... j'ai envie de mettre une couleur. Je mettrais bien le bleu, que j'aime bien. Hein. Ou le kaki. Non, kaki. Ou coco, si. Je vais mettre le emerald. Ou watcher. Le vert lumineux sapin, là. Émeraude, quoi. C'est comme son nom l'indique. Donc, je vais quand même reprendre celui-là pour estomper. Et on n'a toujours pas mis l'anti-cerne. Caca. Oh, merde. Que je pourrais pas poudrer, en plus. Là, on est dans la merdasse. Voilà pour le ras-de-cils. Écoutez, ce sera pas le plus beau make-up de ma vie, hein. Hop, ça vous, je vous montre en premier. Le concealer, bah écoutez, le moment tant redouté est arrivé. Donc je prends le petit de chez Focalure. Alors, on va en mettre que très 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 peu. Hein. Et juste sur le cerne. Hein. Voilà. Je vais peut-être le mettre au pinceau. Ouais, parce qu'à l'éponge, c'est juste pas possible. Donc je prends un pinceau pour l'anti-cerne que je ne vais absolument pas pouvoir poudrer, donc il va très vite filer dans mes rayures. Hein. Franchement, il aurait pu sortir un petit peu plus tôt, hein. Au moins avant le ras de cils, quoi. Là, c'est clairement du foutage de gueule, moi je dis. On va pas faire de zone de lumière sur le visage. Hein. Éviter. Hein. Voilà. On va rester comme ça. Alors, je crois qu'on est presque au bout quand même. Hein. On ne doit plus être très loin de la fin du make-up. Il reste quoi? Je crois qu'on a fini. Attendez, je regarde s'il y a des trucs qui sont pas cochés. Ouais, la base à paupières. Logique. Ah ben, il reste plus que la base à paupières. Donc c'est ça qui va sortir puisque j'ai coché les autres. Voilà, c'est le dernier produit qui... Ah ben, j'ai pas fait mon coin interne encore. Enfin, mon... Ma paupière interne. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Il m'en manque ou quoi?
Ouais, j'ai fini tous les trucs. Donc, il me manque la base à paupières et j'ai pas mis de fard, j'ai oublié de le noter. Donc, on va le faire juste après. Donc, je vais prendre ma petite base à paupières. Hein. Toujours la Ultimate de chez Révolution. Alors, je vais vraiment pas en prendre beaucoup. Mais j'ai pas mis les fossiles non plus. Bah, tant pis, on en mettra pas. Comme ça, ça m'arrange. Je prends un petit pinceau boule. Et là, je vais juste appliquer un tout petit peu de base ici. En évitant le liner, si possible. Ou pas. Voilà, on fait un mini semi-cutrice. Mini, hein, joliment. Et avec un petit pinceau plat précision, mettre la teinte. Mettre la teinte. Ici. Sunstone. Voilà. Plein de liner, magnifique. Et donc, on en a terminé. Je viens vous montrer tout de suite. Je vous montre tout de suite de plus près le carnage. Donc voilà le carnage total, enfin final, j'ai envie de vous dire. Voilà. Bon, après ça va encore, le teint c'est pas ça, mais les fards c'est pas ça non plus, ça cuise déjà, le liner, il y a plein de taches dessus à cause des fards. Ici c'est pas assez dégradé vu que j'avais pas de teinte de transition et que mon t-shirt n'est pas poudré. Du coup, il finit les résules. Voilà, les lèvres ça va, parce que j'ai pris du nude, hein. Heureusement que j'ai pas pris des trucs colorés. Les sourcils ça va. Je suis agréablement surprise du rendu. Bon, ils sont un peu moins fixés que d'habitude, mais bon, comme je ne vais pas rester maquillée très longtemps, on s'en fout. Donc voilà, écoutez. Voilà, on a fini le carnage. Je vais pouvoir aller me démaquiller dans pas longtemps. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, si jamais ce carnage vous plaît, ce qui m'étonnerait fortement, hein, mais pensez à mettre un petit pouce bleu pour me faire plaisir. Voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo puisque je ne sais plus du tout mon planning puisque ça risque de changer au fil des jours à cause des Forever Flawless que j'attends. Donc je vous dis tout simplement, on se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous dis bisous bisous.